tous et à toutes sur RCPH, Hugues. Salut les petits sioux, j'espère que vous allez bien. Alors, beaucoup de petits colis aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le premier colis? Dans le premier colis, il y a une facture, normal. Mais il y a surtout un super cerveau. Un Savox, mais un truc de malade. Normalement, ça devait être un truc de malade. Oh, je sens que la pâche, c'est pas le bon cerveau. Ça me paraît bizarre. A priori, c'est ça, ça me paraît bizarre. En plus, sympa, il n'y a aucune caractéristique. Si, a priori, c'est ça. Putain, il est petit. Alors ça, c'est un cerveau étanche de chez Savox qui, a priori, ah si, c'est ça. Putain. Pardon. Donc, ce petit cerveau, je m'attendais que ça soit un big cerveau, ce petit cerveau est un cerveau 70 kg en 11 secondes. 0,11. Et c'est un brushless, bien sûr, étanche. Comment dire? Il est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais franchement, je m'attendais à un big cerveau, mais il est tout petit. Alors, sa référence... Attends, ça me paraît bizarre qu'il fait 70 kilos, il est tout petit, machin. Bon, à voir. Sa référence, donc, c'est le Savox SG... Non, SW, je crois. C'est mieux, c'est marqué en plus gros sur la facture. C'est donc le SXSW2290SGBL, cerveau brushless waterproof, 70 kg, 0,11 secondes en 7,4 kg. Je suis épaté, hein. Tout petit, tout petit. Donc ça, évidemment, ça va être pour la MCD. Je suis très étonné. Je reste circonspect parce que je trouve qu'il est vraiment ridicule en taille. Je m'attendais vraiment à un big cerveau. Je vais vérifier, ça me paraît suspect cette histoire. Je vais voir s'il manque pas dans la ref, une petite ref, deux petites lettres qui font que en fait c'est un big et pas un big. Je vais vérifier parce que je trouve ça un peu bizarre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore un colis de chez RC Force. Donc ça, évidemment, voilà, je vais vous dire, quasiment la totalité des colis sont pour la MCD. Donc, pour la MCD, j'ai pris donc ce qui restait, ce qui n'est plus grand-chose. Donc c'est un 24-61, si ma mémoire est bonne. Je suis même pas content. C'est marqué en gros, donc j'ai pris... Un 61-24, c'est ça. Un 61-24, donc couronne-pignon 61-24. Ensuite, j'ai aussi acheté un pignon de cloche-pin. Cloche, bel pignon, dire de Z25. Ensuite, j'ai surtout acheté aussi le diff central pour modifier, pour plus avoir la cloche et le sitter. Donc ça c'est nettement mieux avec le diff central, c'est beaucoup plus souple.
beaucoup plus sympatoche à piloter, plus facile, il faut l'avouer, comme je suis mauvais. Eh ouais. Donc au pilotage, j'ai préféré prendre, comme Donatien, un Biff. Lui, il a vu tout de suite la différence. C'était beaucoup plus facile à maîtriser la MCD avec le Biff que sans Biff. Ça, c'est sûr, il n'y avait pas photo. Donc tout ça, c'est pour ma sublime MCD XR5. Ça aussi, ça, je remercie Cool Stick Alex, parce que il a fait ça hyper vite. Il est super sympa en plus. Par contre, ça a souffert pendant les transports. Merci la poste, bouger avec la poste. Ah purée. Oh putain. Ah, ça a été tout écrasé. Bon, j'espère que... Alors ça, ce sont les autocollants que je vais apposer sur la carreau. Comme d'habitude chez Coolstick, j'achète toujours mes autocollants chez Coolstick. Et je le prends toujours en collage intérieur et non extérieur. Alors, la voiture en gros va ressembler alors à l'origine, tu pouvais souvent y te mettre une... T'es pas obligé, hein. Alors c'est pour un cinquième évidemment. En gros, c'est normalement pour faire un peu comme la Porsche, celle-ci, sauf que moi, je vais faire totalement différent. Ok, alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc, en gros, c'est Red Bull, mais en version Red Black. D'accord ? En rouge et noir, c'est du Red Bull. Donc, c'est Red Bull rouge et noir. Parce que la voiture, honnêtement, va être donc en rouge et noir. J'écrirai ta peine. Ça, c'est pour Alain Grandsart qui, à chaque fois, râle parce que je chante. C'est pour toi, mon petit Alain, histoire de te casser les pieds et que la chanson te rentre dans la tête. Et petit refrain. Donc, des taureaux, Taurus, red and gray, donc rouge et gris, parce que la voiture donc va être rouge, noir et un peu de gris. Donc un peu dommage que l'ami de la poste nous a un peu... Bon ça va, c'est pas trop abîmé. C'est celui-ci un peu abîmé. Ça passe. Donc toujours pareil. Donc de magnifiques autocollants. Red Bull. Voilà. Et donc maintenant, vous le savez, la carreau va être rouge et noir avec quelques touches de gris. Alors, comme je l'avais dit la première fois quand j'ai fait la carreau du Super Bajaret, j'y suis allé un peu au hasard, comme ça, je suis allé là. Là, par contre, j'ai réfléchi. Et pour une fois, ouais, vous allez dire, j'ai réfléchi et donc je fais quelque chose... J'ai déjà les dessins dans ma tête, j'ai commencé déjà à dessiner. Donc je sais exactement ce que je vais faire. Je ne vais pas inventer tout et n'importe quoi. Un peu comme la Super Bajaret où je me suis aperçu que les couleurs, ça n'allait pas se marier ensemble et tout. Donc tu vas me dire, je n'ai pas pris beaucoup de risques. Rouge et noir, ça passe toujours. Le rouge et le noir, ça passe toujours. C'est... En rouge et noir, j'écrirai ma peine. En rouge et noir. Petite dédicace à... Merde, je me rappelle même plus comment s'appelait la chanteuse. Zut, oh, j'ai un trou de mémoire. Bon, c'est moche. Oh mince, j'ai un gros trou de mémoire, je me rappelle plus. Oh le naze. Jeanne Masse, quand même. Oh, on connaît un peu ces classiques quand même. Hein. Des vieux classiques peut-être pour vous, mais pour nous c'était bien à l'époque. Donc ça... Parce qu'en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, MCD, déjà d'origine, les autocollants qu'ils vous donnent, ils te les donnent un peu en rouge et noir. Donc ça va être coordonné.
Voilà. Ensuite, j'ai un autre petit colis. Un autre petit colis qui vient ce coup-ci de chez Race RC Modélisme, notre ami Hervé, ou je l'ai appelé récemment pour qu'il me trouve à peu près des pneus à peu près convenables pour une certaine de mes voitures, des pneus piste entre guillemets. J'aime bien faire péter les bébés. J'ai pété les bébés. Alors déjà, on savait que ça allait être petit, mais on n'a pas trouvé la taille qu'on souhaitait. Donc bah des fois, il faut prendre par rapport à la taille qu'il y a, c'est un peu bâtard. Mais en fait, c'était pour la Austin Mini. En fait, l'Austin Mini, j'ai réparé l'arbre de transmission. Où il y avait juste les pignons qui s'étaient barrés, hein, c'était pas non plus une grosse panne. Et en fait, je pensais à faire petit là ce coup-ci. On savait que ça allait être petit, mais franchement, regardez, ça va faire petit petit quand même. Ouais, ça va peut-être. Oh putain, ça fait pas. Ça va pas faire. Ah ouais, non, c'est ridicule. Non, bah, ça ira pas dessus. Je crois qu'on a dû se tromper, hein, dans les calculs, hein. Non, c'est trop moche. Bon, alors, même si elle n'est pas posée Ah non, c'est trop moche. Allez, Hervé, laisse tomber. Hervé, on a fait une connerie. Ah, je mets même pas la deuxième, laisse tomber. Et regarde. Donc, regarde la connerie, Hervé. Ah, ça fait beau, hein. On dirait une roulette de poussette, sans déconner. Ah non, c'est trop moche. Mince. Bon. Bah ça c'est fait, donc ce sera pas des roues pour le super bajaret, ça sera pour autre chose. Non, ça sera pas pour le super bajaret, c'est trop laid, c'est beaucoup trop laid. C'est bien ce qui me semblait. Voilà, déjà certains ont râlé, dire ouais c'est moche, tes roues elles sont trop petites par rapport à la mini, gna gna gna. Mais alors là ouais, là il y a vraiment trop petit. Là c'est beaucoup trop 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 petit. Et je pense que Hervé, je crois que ça devait être un vendredi qu'on s'est vu au téléphone, ça devait être une fin de semaine. Et je pense que tous les deux, on ne devait pas être très bien. Ouais, non, c'est très moche. Bah, laisse tomber, ça ira pas dessus. Ça sera pour un autre véhicule. Bah, pourquoi pas. Oh, par contre, pour elle, ça va être trop gros. Pour elle, je crois que je peux pas les adapter dessus. Ah, c'est dommage, ce serait pas mal sur la. Ah, si je trouve un moyen de les mettre sur la R8, ça peut le faire. Ah, sur la R8, je dis pas, ça ferait pas mal. Par contre, sur la R8, j'ai pas le même système. Ah, sur la R8, ouais, ça ferait pas mal, les gars. Ah, faut que je regarde ça. Peut-être, il faut que je trouve la magouille pour les faire tenir sur la R8. La R8, le système pour attacher les pneus, c'est un peu bizarre. Et oui, ou sinon, vu que j'ai plus, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus l'infraction qui a été vendue. Donc, ouais, bon, bah, ces pneus, ça ira pas sur la mini. Ça fait beaucoup trop moche. Même si je sais qu'on ne l'a pas posé, parce que, en fait, certains trouvent que ça fait moche, mais en fait, posé au sol, les roues remontent. Et ça fait un peu moins moche que là, actuellement, les roues qui pendouillent. Hein. Mais même sans ça, là, ça va faire beaucoup trop.
Non, ça va pas faire beaucoup. Par contre, sur l'Audi R8, ça irait pas mal. Mais je sais pas comment les faire tenir. Parce que le système, pas terrible. Bon, tu vas me dire, je l'avais levé parce que la dernière fois, on avait fait du rallye. Si je rabaisse. Oh, c'est trop petit. Oh, c'est moche. Fais voir. C'est trop moche. Non, laisse tomber. C'est moche. Faut appeler un chat un chat. Bon, Hervé, on a fait une connerie. Je pense que pourtant on boit pas. Enfin, moi je bois pas, mais je pense que toi tu travaillais aussi, tu étais à ta boutique, donc t'étais pas bourré non plus. Mais franchement, non, ça rapporte du tout, Hervé. Je sais pas où on a merdé, mais on a merdé, Hervé. On a merdé, Hervé, c'est pas bon. Bon, voilà. Allez, c'est pas grave. Je vais essayer de les adapter quand même sur la R8. Ce serait assez sympa, mais je sais pas comment je vais les faire tenir. Parce que les R8, le système d'attache, en fait, ce sont pas des hexagones d'origine, là aussi, puisque je les avais changés pour mettre des pneus adaptables GRP. Seul problème, c'est que c'est. Le système d'accroche est pas terrible. Ouais, c'est pas tip top. C'est pas tip top. Bon, bah, je vais voir ça, je vais regarder tout ça. Et je vous tiens au courant. Et je vous dis à tous et à toutes de passer une très bonne fin de journée. C'était U pour RC Apache. Salut les petits choux! Ciao!